Et ni hao et bienvenue sur JT Geek, The China Addict, le seul JT en direct de Shenzhen où on vous prouve que voir les téléphones en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Donc cette semaine on va vous tester le B93M qui est en fait un modèle. Donc numériquement il est au-dessus du B92M, mais c'est vrai qu'au niveau du cahier des charges il est en dessous. Alors en fait ce B93M, Il a quelque chose. Vous allez voir, en fait, il est moins bien. Alors ça, c'est un Whippy, hein, donc vous pouvez l'enlever, ça se colle. On nous a demandé si on pouvait enlever le logo. Oui, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le mettre là, ou le mettre ailleurs. Donc en fait, ça, c'est une autre question. Alors en fait, il est intéressant sur plusieurs choses. Un, parce qu'il a un écran QHD en 4 pouces 5. Ça, c'est plutôt bien. Et il a un format plutôt mini Note. Vous voyez, on reprend vraiment le design du Galaxy Note, mais en plus petit. Donc il paraît que Samsung va sortir un petit S3. Pourquoi pas? Et bien là, on aura carrément un mini Note en 4 pouces 5. Donc à l'arrière, on retrouve bien une micro SD, deux emplacements carte SIM, SIM 1, SIM 2. Et oui, ça fonctionne en 3G en France et en 3G+. Ça, c'est sûr, grâce au processeur. La batterie fait 2000 mAh, ce qui paraît cohérent. Elle est quand même assez large. Quand on prend, si on devait comparer avec la batterie du Samsung, qui est un petit peu, on va dire, jusque-là, donc 2000, c'est cohérent. On reprend à l'arrière, donc on a un joli cache. Alors comme diraient les browser blogueurs tic et tac, ce n'est pas du polystyrène pour faire des boîtes à poissons, mais c'est bien du plastique, hein, du vrai plastique. Pourquoi du plastique? Bah parce qu'en fait le plastique c'est léger, c'est solide, et bah, quoi qu'on a pu entendre, voilà, ça c'est une coque de Samsung Galaxy S3. Vous voyez, elle est encore plus souple, et ils en ont quand même vendu 20 millions. Donc c'est bien la preuve que ça ne doit pas être si mauvais que ça. Et celle-là, elle est un peu striée, et on aime beaucoup en fait cette finition. Donc on remet son cache en arrière, hein. On est vraiment sur le même principe que chez le coréen. Ici, sur le côté droit, alors bouton volume plus moins, sous le dessous le micro, sous le côté gauche rien si ce n'est la connectique micro USB. Alors ça c'est vachement la mode, hein, en fait chez ce fabricant là, hein, qui est une vraie marque, on vous le rappelle, mais qui fait aussi des téléphones un petit peu underground. Et le bouton sur le dessus, vous voyez le bouton power on off, il est là avec le jack 3.5, ça c'est assez intéressant. Donc l'écran, vous allez voir comment on va faire les choses bien. L'écran, en fait, nous a demandé, nous, en Chine, donc on a des mètres, comme ça, où on a les centimètres et on a les pouces. Donc, vous voyez, on prend, on n'est pas super fut-fut non plus, hein, donc il faut dire, on fait ce qu'on peut. On met le mètre, ici, voilà, ici. Donc on a bien du 4 pouces 5. Hein, là, après on dira ce qu'on veut. Après, bon, si vous le voyez sur Internet en 5 pouces, en 4 pouces 8, ça sera un autre problème. Et on va attaquer directement la mise en route qui est sur le dessus, ça c'est bien. La batterie qui est l'edge, mais on s'en fout, normalement on devrait pouvoir tenir. Le GPS c'est testé, hein, on en vient, on vous a pas fait une petite vidéo, mais c'était 4 minutes. 4 minutes c'est cohérent, et c'est bien pour ce modèle là, c'était quasiment la même chose avec le B92M. Donc on va attaquer le AnTuTu. Donc le AnTuTu on ne triche pas. Pourquoi on ne triche pas? Ben, parce qu'on sait pas faire, il paraît qu'on peut tricher avec le AnTuTu. Nous on sait pas, et généralement nos membres arrivent toujours à faire les meilleurs scores que nous. Alors le score 5151, c'est bien, c'est un test qui est, c'est un score qui est honorable pour un modèle cette gamme là. Et on va attaquer les choses qui nous intéressent. Le nom, donc c'est bien un B93M nommé par le fabricant. Donc là, B93. Le CPU, c'est un 6577 qui tourne à 1 GHz. Donc on nous a appris des choses quand même, ça arrive. Que là, c'est la fréquence minimum et la fréquence maximale. C'était pas plutôt le GPU. La résolution de l'écran, 540x960. Donc on est bien sur du QHD. Ça, c'est bien. Le GPU, ce que c'est. Alors la RAM, bon, bah on est léger. On est en dessous. Hein. On est sur du 512. Ça sera certainement un des points négatifs de l'appareil. Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir un giga? Comme on en aurait vendu plein. mais c'est déjà un bon téléphone. La RAM, donc on est bien sur du 4 giga. Vu qu'il reste 2213, on ne vous refait pas le coup. Mais la mémoire, en fait, il ne peut y avoir que 2048. S'il y a plus, c'est qu'en fait, il y a 4096. Et la version Android, c'est bien du 4.04. Alors, le téléphone, il a bien
D'étoile. Ah, ouh, attendez, étoile, dièse 06, dièse que je lis ma fiche en même temps. Voilà. Donc il a bien deux EMEI. Donc là, les EMEI sont en 86 parce que c'est un prototype. Hein. Comme le modèle qu'on avait reçu sur le B92, c'est un sample qu'on a mis quand même du temps à tester. Mais en fait, les prochains modèles seront bien en 35. La version Android, c'est fait. Le market, alors on a vu ça dedans. Ici, donc vous avez bien Gmail ici. Voilà, voulez-vous ajouter un compte? Ça, c'est bien. Et on a bien le market ici. Voilà, voulez-vous ajouter un compte en français? Ça, c'est bien. La musique, bon, sans grande surprise, l'appareil peut vous faire écouter de la musique. Et notamment, on peut vous faire écouter Britney Spears en boucle. Parce que je sais que vous adorez ça. Ici. Tournez. Voilà. Donc ça marche, hein, ça marche plutôt bien. Ensuite, alors la musique c'est bon, les photos, les vidéos, on va regarder directement ça. Donc la vidéo, on prend la carte SD, on attaque directement nos vidéos en HD. Alors carte SD, alors, qu'est-ce qu'elle a ma carte mémoire? Ici, elle a plein de cochonneries. Alors 1920, on va regarder avec le lecteur ici. Donc incompatible, c'est normal. Aucun MT-105-117 ne lit la Full HD. Quoi qu'on en dise, on a essayé tous les lecteurs, il n'y a rien qui marche. La vidéo en HD, bah là ça marche. Hop là, je vais le mettre devant, il y aura mieux. Donc ça, c'est pas mal, hein, vous voyez, on a une lecture qui est fluide. Ça permet de lire au moins des vidéos qui sont en HD, parce que bon, lire des vidéos en Full HD, c'est vrai qu'il faut avoir des yeux quand même assez, assez précis. Alors, on regarde ça. Le clavier, donc les liens en AZERTY, on est bien. Le GPS, on l'a testé, on vous a dit, c'est du 4 minutes. On a mis 4 minutes dehors. Exactement, en fait, ça doit être le même GPS que dans le B92. C'était bien, 4 minutes, on avait une détection correcte. L'appareil a bien le compas. Vous voyez, et comme quoi on ment pas. Ouais, on va le tricher un peu. Vous voyez, dernière vidéo, le nord était à droite. Et bien là, toujours, hein, vous voyez, ça n'a pas changé. On n'a pas changé, on n'a pas tourné l'immeuble de sens. Surtout que l'immeuble fait 32 étages, donc c'est vrai que ça ferait un peu dur à déplacer. Donc voilà, ce petit test de cet appareil. On voudrait revenir sur quelques absurdités qu'on a entendues sur Internet. Hein, on va en profiter aussi, parce que... Alors, de un, tous les GSM chinois ne sont pas de la merde. Un GSM chinois, c'est comme une Logan. Vous voyez, en fait, il y a des gens pour qui ça va très bien suffire, et puis il y en a pour qui ça sera jamais assez. Et comme une Logan, en fait, dedans, vous allez retrouver des produits de marque, comme des LCD de marque, des choses comme ça, mais forcément, c'est un peu plus cheap, ce qui fait que le prix est moins cher. Donc, si vous voulez vous acheter une Laguna, achetez une Laguna, et si, par contre, pour vous, c'est moins important et que vous voulez une Logan, prenez une Logan, c'est exactement la même chose, ça va être vraiment le même rapport. Après, à partir du moment où vous aurez compris ça, après, vous aurez tout compris que forcément, pour ce modèle-là, à 169 euros, vous n'aurez pas un Samsung équivalent qui vaut 400 ou 500 euros. Mais vous aurez un téléphone de bonne facture qui fonctionne bien. On a entendu aussi que quand on charge les téléphones chinois, ils chauffent. Bah ouais, ils chauffent. Hein, ça, forcément, la batterie. Bah, celui-là, il chauffe aussi, hein, le Samsung. Et on a essayé qu'un iPhone, ça chauffe aussi. Donc, ouais, faut arrêter de dire des conneries. Hein, ça calmera un peu les gens, parce qu'après, c'est vrai que si on jette des morceaux de viande aux requins, après les requins, ils sont énervés. Et c'est pour ça que bon, on voulait faire cette petite parenthèse. Et on va résumer les plus et les moins de la bête. Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est le MT-105-117. C'est un bon processeur, c'est 1 giga dual core. Les SIM, donc double SIM, donc une des deux SIM qui est compatible 3G, 3G+, ça c'est vérifié, c'est certifié. 512 de RAM, 512 de ROM, 512 de RAM ou l'inverse, je sais plus, je m'embrouille, c'est pas grave. L'écran 4,5 pouces QHD, et là on a mesuré l'écran, ouais, vous pouvez pas, vous avoir du mal à faire mieux. On a bien aimé l'appareil photo en 8 millions de pixels, pareil, hein, l'appareil photo, c'est pas comment dire, c'est pas un appareil photo Sony à 8 millions de pixels. C'est un appareil photo d'un téléphone. Donc c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Ça fait 8 millions de pixels, vous voyez, c'est marqué ici, on peut changer. Donc certainement, souvent il y a un petit peu d'interpolation, mais c'est pas très grave. La vidéo, ça fait des vidéos en HD, pas de Full HD parce que le processeur ne supporte pas. Ça fait des bonnes vidéos, c'est correct, c'est propre, et surtout pour un modèle de cette gamme. On a bien aimé les batteries en 2000 mAh, ça suffit, hein, ça permettra de tenir au moins la journée tranquille.
Et en quoi? Qu'est-ce que j'ai d'autre marqué sur on a bien aimé le look de Mini Note, ça c'est vrai que, bon, même si ça ressemble au Note, bon, quelque part il est plus petit, c'est un peu plus gros qu'un 9100, c'est plus petit qu'un Note, donc c'est vraiment un format qui est entre les deux en 4 pouces 5. Ça c'est bien, et on a bien aimé le prix, parce qu'en fait le prix on a réussi à le baisser vu les bonnes performances du B92M. Donc ce modèle là est vendu 169 €, c'est pas cher. Et ça reste un bon produit, certainement un petit peu en deçà du B92, mais qui a pour nous l'inconvénient de un peu trop ressembler au Galaxy Note, mais qui a 1 Go de RAM. Donc après, ça sera en fonction de chacun. Je vous rappelle, vous, le coup de la Logan et tout. Je vais vous le refaire à chaque fois, histoire que vous vous rappelez bien. Est-ce qu'on n'a pas aimé sur l'appareil? Bon, bah, son petit look, toujours un peu trop Samsung. Ça, malheureusement. Ça, non, c'est bien, c'est granulé, c'est du plastique. On ne peut pas faire d'emballage de poisson avec, je vous rassure. Peut-être les 512 de RAM, c'est peut-être pas assez. Mais ça... c'est pas bien grave, parce que généralement pour mettre les applications de base ça suffit, mais c'est vraiment pour dire de lui trouver quelque chose, parce qu'il est bien, il est correct, il est fluide. Oh, il y a des jeux là. On va regarder un petit peu s'il n'y a pas un truc. Alors, Vergy, ça c'est un truc où ça sent le Ninja Fruit ça. Hein. On va regarder, parce qu'on nous a demandé des jeux, mais ils sont pas toujours installés. Et au niveau de chrono, on est bien, 10 minutes. Ah ouais, il faut te connecter. Hein. Oh les charognes. Donc voilà, ce petit test de ce B93M avec son AnTuTu de 5151. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes plein, ça fait trop plaisir. Si vous avez Facebook, vous pouvez aller sur notre page et rejoindre nos 8200 amis virtuels qu'on ne connaît pas, mais on en connaît quelques-uns et c'est déjà le plus important. Si vous avez Google+, pareil, vous pouvez nous ajouter. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower ou envoyer la vidéo. Et si vous avez Internet, vous pouvez aller voir notre blog sifone.fr, le JT Geek, le Chain Addict et tout ce qui va bien. Et on poste tous les jours, il y a pas mal de nouveautés. Et c'est plutôt pas mal. Et puis bah concernant tous les petits nouveaux qui arrivent, on a vu des Facebook avec du JT Geek, on a vu des vidéos avec on a vu des blogs avec un autre regard sur la Chine, qui est juste notre première ligne du blog. Donc c'est bien, on fait des petits, c'est la preuve que ça doit intéresser au moins un petit peu de monde. Et bah si vous avez aimé, méfiez-vous des contrefaçons, parce que là je veux dire on est en Chine, c'est la jungle. Et retrouvez-nous sur le JT Geek by Sifone.fr. Et moi je vous dis peut-être à demain pour un nouveau test. Allez, à plus, bye bye.